Je sais pas si on te l'a déjà dit, mais tu ressembles à Momo dans MHA. Dans My Hero Academia? Momo? Allez, on passe à autre chose. Non, on m'a jamais dit ça. Jamais dit ça, non. Oui, brune. Je pense que c'est ça. Erreur, erreur. Sans doute la coiffure. Ouais, je pense que c'est la coiffure sur le déco, t'as raison. Non, à qui je ressemble en personnage d'animé? Moi, je trouve que si j'étais un personnage d'animé, je serais physiquement, hein. J'entends physiquement. Physiquement, je pense que je serais genre Sacha dans SNK. Ganondorf. Goldorak. Putain. Sacha dans SNK, peut-être. Brune aux yeux marrons. En plus, elle est rigolote. Elle aime trop la bouffe et tout. Pourquoi pas? Je sais pas. Tony Chopper. Elle a les cheveux rouges. Non, elle a pas les cheveux rouges, Sacha. Elle a des reflets au burn, c'est vrai, mais... Je sais pas. Kaguya, dans Kaguya-sama. Je sais pas, je sais pas. Mais bon, bref. Mais dans tous les cas, au niveau du caractère, je ressemblais, en tout cas, il y a quelques années, je ressemblais vachement à Nana Hachi dans Nana, le manga. Mais je pense pas trop être comme ça maintenant. Je pense que j'ai un peu changé. Merci Kékéré pour le troisième mois. Merci beaucoup. Ultia dans Fairy Tail. Oui. Mais c'est pas évident de ressembler à quelqu'un dans les animés, je trouve. Mais oui. Donc, regardez, la dernière fois, pour ceux qui n'étaient pas là, voici ce qu'on a fait. C'est fou, non? On a fait, enfin, la cuisine. Elle n'est pas magnifique, franchement. Elle est sublime, hein. Mais d'ailleurs, j'hésite vraiment avec ce mur. Je suis un peu mitigée pour le mur, là. C'est limite si j'ai pas envie de mettre de la brique partout. Sauf... Je sais pas. En fait, je trouve que ça enlève un peu de charme de mettre ça en blanc. Je me demande si je vais pas mettre de la brique partout. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça, c'est pas très gratuit. Merci Pléonexia pour le Prime. Et ici, on pourrait mettre genre... pp.moveobjects. Des nouvelles de Delrom? Il était toujours là avant Delrom pour les live sims. bb.moveobjects on... Oh, Delrom! Mais non! Mais OMG, mais où est-ce que t'étais? Qu'est-ce que tu faisais? J'ai pas mis à jour ta fiche, moi! Franchement, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. T'étais où? C'est à cette heure-là que tu rentres? C'est à cette heure-là que tu rentres? Franchement? Je rigole, hein. Colonne solide.
Après, on s'étonne qu'il ne vienne plus. À table ! Non, elle ne rigole pas. Arrêtez ! Je suis souvent là, en vrai, mais plutôt en mode lurk ces derniers temps. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis contente que tu sois là. Contrairement à ce que... à ce que je laisse transparaître. Je sais pas si... En fait, ça bug avec le demi-mur de mettre une colonne, quoi. Salut Kanae, merci, c'est gentil. Vous étiez chez la concurrence. Il n'y a pas de concu sur les Sims. Que des amours de personnes. Enfin, en tout cas, qu'on sache. Hein. Est-ce que je mets une colonne? Si oui, pourquoi? Sinon, comment? Il en faut une marron foncé, en fait. Pas de concu, car tu les trouves tous nuls. Pas de concu, parce que je roule dessus, en fait. Non. En fait, je cherche le même marron que ce qu'il y a là, en fait. Faut vraiment que j'arrête de lâcher des trucs comme ça, parce qu'il y a des out of context qui vont sortir un jour. On va pas être mal barré, moi, je vous le dis. Vous voyez le même marron un peu cendré comme ça. Merci, Diomna, pour le Prime. Merci beaucoup. Il me faudrait le même marron, en fait. Un marron un peu cendré. Non, mais c'est vrai. Enfin, je trouve que la commissime est vraiment cool. Moi, il y a beaucoup de gens que j'aime bien dans cette communauté, que je trouve très intéressant. Donc, adapte plutôt la couleur de demi-mur. Ah, c'est la moulure, je peux la changer? Ah non. Ah si. Oh, on peut mettre une petite vitre. Oh! C'est marrant. Oh, mais je savais pas qu'on pouvait changer comme ça. Y a pas... marron. Comme ça. J'aimais bien le marron foncé, en fait. J'aime bien comme ça. Noir. Delrom, t'en penses quoi de ma salle, de ma cuisine? C'est vraiment une commu qui pense qu'à la bouffe. Qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Je vous laisse quelques minutes, le temps d'aller faire mon gâteau du dimanche. Trop cool! C'est à quoi ce gâteau du dimanche? Le demi-mur en briques blanches, ah ouais? En fait, je trouve que ça donne trop de caractère, les briques comme ça. Donc j'ai envie de les garder. Banana bread. Trop bien, en vrai, les banana bread. Elles fonctionnent très bien. J'aurais pas pensé au combo entre ces surfaces et ces meubles en haut. Ça marche bien. Ouais, je trouve aussi. Écoute, j'ai fait ce que j'ai pu, hein, franchement. Donc je vais mettre ça, mais en noir. Voilà. Ah, mais c'est pas le même, mais c'est... c'est insupportable. C'est pas du tout le même noir. C'est trop gros. Noir. Tiens, nickel. Rien à voir. Même si je sais que ça va pas avec, parfois j'aime bien sortir des colonnes improbables juste pour voir. Non mais là, je veux le même, en fait. Je veux le même. Ça, c'est trop... En plus, je veux un truc simple. Mais ça aussi, c'est pas... bon. Bon, je vais réessayer. Je vais faire l'inverse. Briques faites maison. Moulure. Boum, 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 boum. Mmh.
Bah ouais, mais c'est pas de ma faute, c'est pas la même couleur. Non, mais je vais faire un marron, je pense. C'est vraiment ce qui me frustre dans les Sims 4, l'impossibilité d'harmoniser. Bah, surtout que, autant parfois, tu vois, je laisse passer parce que je trouve que... Parce que je trouve que dans les maisons, il n'y a pas tout qui est assorti tout le temps. Mais là, quand même, c'est un peu abusé. Ça manque tellement d'options pour les hauts couleurs des... Les hauts des demi-murs, il manque tellement de couleurs. Ben, ouais, c'est un peu... C'est un peu limité, quoi, là, dans l'état... actuel des choses, c'est limite si je préfère pas mettre marron plutôt que noir, vous voyez. Là, marron foncé, marron clair. J'enlève marron clair. Ce marron cendré, c'est quand même un marron que je peux trouver dans le jeu, je comprends pas. C'est quand même pas sorcier. C'est limite si ça, ça va pas mieux parce qu'au moins ça rappelle le meuble. C'est beaucoup trop gros ça. Il y a beaucoup de colonnes dans Île Paradisiaque. En même temps, tu m'étonnes, tout est sur pilotis. Bah écoutez. Allez, j'en ai marre, je mets cette colonne moche. Le rappel de meuble était cool. Ça y est, je me souviens même plus de ce que c'est. J'ai envie de pleurer. Des bisous Zaza, je vais jouer à un jeu obscur qui s'appelle League of Legends. Allez, courage. C'était laquelle? Aïe, je me souviens plus, tout ça pour rien. C'est trop gros. Merde. Celle-là, elle est pas mal, elle est discrète, mais... Non, mais... ça détonne trop en fait. C'est quoi la diff avec ça? Je me rappelle même plus du rappel. J'avais dit ah ça rappelle les meubles. Je sais plus. Je sais même plus de quoi je parlais en fait. Non mais enfin y a pas. Y a pas. Au pire sans colonne en gardant le motif de briques rouges sur tout le mur ça pourrait le faire. Quitte à mettre de la brique blanche sur l'autre angle de la cuisine. Mais en fait, je sais pas ce que t'en penses, Delrom. Enfin, je pense que j'ai vraiment besoin d'aide. Je... En fait, je trouve la brique blanche très fade à côté de cette belle brique rouge. Mais d'un autre côté, je trouve que mettre des briques rouges partout, c'est too much, quoi. Donc je suis complètement partagée, en fait. Genre en gros, je trouve que c'est ça a beaucoup de charme et que c'est très joli, en fait. Et que c'est et que quand je mets de la blanche, je trouve que c'est nul. Enfin, que ça fait fade, en fait. Quand je change, je trouve que... Ben... Je sais pas. C'est sombre, mais c'est joli. Ouais, mais c'est trop, tu vois. Pour ça que je garderai la blanche sur quelques pans de mur. Mais je sais pas, je sais pas pourquoi je l'aime plus, je crois. Genre là. Là. Non. Pareil, le parquet, là. Est-ce que je mets le même que celui qui est dans la cuisine? Ou est-ce que je mets le même que celui qui est dans le hall? Tant de questions, si peu de réponses. À deux doigts de tout changer, en fait.
Et juste de laisser la salle à manger en blanc. Oui, c'est, je sais qu'en briques, ça referme la pièce, t'as raison. Tu préfères le blanc? Allez, on supprime le terrain, on recommence. Ou alors des fenêtres pour couper. Bah, le truc, c'est que je peux pas faire mieux que ça, en fait. À moins que je puisse faire ça. Ce qui fait un peu bizarre niveau structure. Pour ajouter un peu des fenêtres. J'aime bien l'idée d'un parquet au sol différent pour la partie cuisine. Bon, eh bien écoute. À la bonne heure. Hop. Donc là, j'ai mis... J'ai mis du blanc et je pense que je vais en mettre ici aussi. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup cette cuisine. Je la trouve trop belle. On l'a faite la dernière fois en live. Et je la kiffe. Je la kiffe de ouf. Comme dirait Weshden. Non, je crois qu'elle dit « je t'aime de ouf ». Elle dit pas « je la kiffe de ouf ». Donc, ouais. Du carrelage pour la cuisine. Mais je crois que j'aime ce parquet, je crois. En fait, j'ai déjà écumé les carrelages. Et je crois que dans une cuisine bois et fer comme ça, c'est difficile de placer un joli carrelage. Ces nouveaux sols sont difficiles à placer. Il va vraiment falloir que je me renseigne sur le sujet parce que... Merci Unchained Utopia pour les 1 an. Joyeux Ratus Versaire à moi-même. Merci pour cette belle année, Ultia et les Ratus. Merci pour la bonne humeur. Et tous les moments où vous m'avez redonné le sourire. Merci. Merci à toi. Merci à toi, Unchained Utopia. Plein de bisous. Merci beaucoup. Ça, c'est pas très Ratus. Mais ouais, la cuisine, à moins que vous ayez vraiment un carrelage en tête à me conseiller, ça, je... Pas très Ratus. J'ai pas du tout d'idée, quoi. Merci Audrey pour le 8e mois d'abonnement. Merci Bois Black pour le Prime. Un sol en béton. Métal. Non, c'est pas ça. C'est marrant, un sol en métal comme ça. On peut tester le béton. Ah, y a pas. Les carreaux de ciment. Un carrelage noir et blanc, ouais. Si, ben là, on avait tous les carrelages, mais... J'aime bien le parquet, en fait. Juste, tu penses à quoi, Delrom, quand tu dis le sol en béton, du coup? Tu vois, genre, les tomettes, c'est vrai que c'est beau. Genre, dans Selvadorada, il y a des belles tomettes. Elles sont où? Elles sont... Le truc, c'est une cuisine un peu moderne aussi. Bon, la jungle. Mais ça, ça sort trop du truc, quoi. Merci, Silkam. Let's go. Merci, Silkam. Merci pour les 1 an. J'aime beaucoup ce carrelage de Selvadorada, vraiment, je le kiffe, en fait. Mais plus pour une cuisine traditionnelle, en fait. Mais si, je l'adore, enfin, je le trouve très beau, quoi. Mais juste, je sais pas. Elle est trop moderne, cette cuisine, pour avoir ça. Donc, alors, attends, qu'est-ce qu'il dit Delrom? Il dit... catégorie sol et pierre. Voyons voir. Pour l'extérieur, ce carrelage plutôt. Oui, non, mais de toute façon, il n'y a pas vraiment de carrelage à avoir.
C'est une maison giga moderne, donc j'ai foutu du bois partout. Mais j'adore ce sol, hein, je suis fan. On l'avait déjà utilisé pour faire une cuisine une fois même. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans... sol et béton, là. Pierre. Super gravier. Béton délicat. Ok. Mouais. L'évier a disparu. Ah ouais. C'est bizarre. Je sais pas, on va le remettre. Il y a du bokeh. Dalle pas monotone. Béton haut de gamme. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est vraiment bizarre. Ok. D'où vient cette collection de meubles pour ta cuisine? Alors, les meubles qui sont là, ils viennent du jeu de base. En haut, ça vient du pack décorateur, genre les placards qui sont en haut. Et puis après, ben sinon, ça vient de plein d'autres packs différents. Donc, je sais pas, ça dépend ce que tu aimes, ce que tu veux savoir. Il est peut-être dans le carton, ça me fait aussi le bug. Ouais, je sais pas ce qu'il fout là. Mais même ça en fait. C'est censé être là. Ça, et même ça. C'est pas très ratus. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette cuisine? C'est censé être là. Merci Ambrouchka pour le troisième mois. Merci beaucoup. Je sais pas, vous en pensez quoi? On met le sol béton comme ça? Ou je mets le parquet en marron? Un ou deux? C'est vrai que c'est sympa le béton. Regarde, j'enlève la grille. Bah, c'est vrai que c'est pas mal en vrai. Ah, j'aime bien le parquet noir comme ça aussi. Bon, bah, soit le parquet noir, soit le béton comme ça. Les deux me plaisent bien. Moi aussi, j'aime les deux. La cuisine est méga sombre quand même. Tu trouves? Bah, il y a une baie vitrée. Là, il y a une grande fenêtre. Là aussi, il y a une grande baie vitrée. Franchement, j'ai connu plus sombre hein, quand même. Je sais pas. Ah, vous trouvez ça trop sombre? Ok. Peut-être tenter de mettre le mur côté porte-fenêtre en blanc. Oui, c'est pas mal comme ça. Mais je sais pas. Je sais pas. Ah, vous trouvez ça sombre en termes de meubles? Bah ouais, mais c'est une cuisine industrielle. C'est le but. J'ai avalé un cheveu à moi, ça me dégoûte. Salut Bibi. Merci, c'est gentil. Écoutez. J'aime bien comme ça. On va laisser comme ça et ici je vais mettre faudrait que je change ça en noir là. Perfection peinte, qu'est-ce que c'est que cette merde? Je peux rien mettre là. Comme ça avec le mur blanc ça fonctionne bien, ça vient apporter la touche de lumière qui manquait. Ouais, t'as raison, c'est pas mal comme ça.
Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Et du coup ici... non. Je me rappelle même plus de laquelle c'est là. On va faire un tour noir comme ça. Voilà. Écoutez. C'est pas mal, on changera au pire. Mais je suis fière de cette cuisine qu'on a fait la dernière fois ensemble. Salut Hawkins. Merde, désolée. Mais ouais, je suis fière de cette cuisine qu'on a fait la dernière fois ensemble. Je la trouve vraiment très cool. Ça serait bien si on pouvait faire pareil dans la vie, essayer plusieurs sols, murs, hésiter 41, 40 ans, finir par choisir son préf. Oui, oui, ça serait top. Alors, qu'est-ce qu'il a ce petit Kiyoshi? Il est enjôleur comme d'hab en même temps. Je viens de citer, les Sims 4, c'est le Mario Kart 8 de la série. 8 ans dans la tronche, pas une suite en vue. Oui, exactement. Alors, les cours de Belluna et la Manta commencent. Donc, petit récapitulatif de début de live. Nous sommes en train de faire un challenge leader. Le challenge leader, qu'est-ce que c'est? Vous créez une simette complètement affreuse, complètement inhumaine physiquement parlant. Alors là, c'est pas cette simette-là qu'on a créée. La simette qu'on a créée au tout début du jeu s'appelle Bertulda et elle est ici présente. Voyez cette beauté, beauté magnifique, voilà. Donc Bertulda qui a eu le droit à deux grossesses et en deux grossesses on devait choisir l'héritier ou l'héritière la plus le ou la plus jolie en fait avec des traits humains en fait. Et en fait je trouvais ça un peu trop simple de prendre tout de suite l'enfant le plus beau. Du coup j'ai pris j'ai pris Marswyn qui a la couleur de peau de son papa, donc qui a une couleur de peau humaine, alors que Bertulda a la couleur de peau bleue. Et alors, plutôt que Marswyn qui a un sacré pif, hein, qu'on se le dise, hein, complètement inhumain. Et donc, Marswyn, en vrai, franchement, elle est... je m'attache tellement à elle. Marswyn a eu deux enfants, donc de deux grossesses différentes. Est-ce que les filles ont fait leur devoir? Oui. A eu deux enfants de deux grossesses différentes. Donc Belluna, ici présente dans son lit, vous pouvez voir qu'elle a déjà le nez de sa mère, c'est une catastrophe. Et Lamanta, qui est en train de faire le sommeil le moins réparateur du monde, puisque elle va à l'école en plus, putain ça dégoûte. Puisqu'elle a fait une sieste plutôt que dormir, donc du coup voilà, son sabbat de sommeil est vraiment pourri. Et donc Lamanta, regardez, Lamanta. Elle a les yeux de sa mère, mais son nez commence à être plutôt prometteur. Voilà. Beauté, Lamanta. Elle va avoir les yeux de sa mère, vous verrez, ça va être une plaie à s'en débarrasser. Et le regard toujours très intelligent. Marswyn et Kiyoshi, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de prévu au calendrier? Point anniversaire. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Belluna. D'ailleurs, je pense qu'elle va fêter son anniversaire toute seule parce qu'en fait, il y a une espèce de bug qui n'en est pas vraiment un. Enfin, je sais pas trop. Quand vous êtes en mode de vie court, parce que du coup, c'est l'une des règles du challenge, c'est d'être en mode de vie court. Et c'est ce qui fait qu'en fait, vous n'avez même pas le temps d'avoir la fin de la journée, que l'enfant est déjà en train de grandir, quoi. Donc, j'espère qu'on va pouvoir faire un petit anniversaire quand même. Et le lendemain, c'est l'anniversaire de Marswyn qui passe à l'âge adulte. Le mercredi, ça sera l'anniversaire de Kiyoshi. Le vendredi, ça sera l'anniversaire de Lamanta. Et voilà. Ok? Donc voilà, du coup, tu refais pas les enfants. Tu les laisses évoluer sans les changer. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. C'est le but. Ça, là, ça me dégoûte. Ok. Et en plus de ça, on va ajouter à notre calendrier... Pourquoi pas ce samedi, par exemple, c'est le réveillon du jour de l'an, mais bon, j'ai envie de vous dire fuck it. Ah, mais c'est Noël! Il faut qu'on meuble la maison. Non, mais allez, là, c'est l'hiver, c'est chiant, en vrai. Ah non, c'est pas l'hiver, c'est le... Quoi? Mais il est où, l'hiver? Bah, il y a Noël. Fête de l'hiver. Et il y a un soleil à côté. Je comprends pas, il n'y a pas d'hiver? Mais si. Elle le met comment son masque, Marswyn? La pauvre. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas d'hiver à Oasis Springs, vous avez raison. Je vais planifier l'événement mariage. Je vais planifier l'événement mariage au premier jour de printemps, là. Au dimanche.
Voilà. Donc je vais mettre ajouter un événement. Non, ajouter un événement mariage. Parce que du coup, il y a eu un pack mariage qui est sorti récemment dans les Sims, mais c'est complètement odieux ce qui s'est passé. Le jeu est sorti avec plein de bugs. Et comme le jeu est sorti avec plein de bugs, ben c'était chiant. Et du coup, je les faisais pas se marier parce que je savais que ça allait être la merde. Ok, merci, c'est sympa. C'est vrai qu'il n'y a pas de neige à Oasis Springs, vous avez raison. Oh, réunion de famille! Les réunions de famille sont courantes lors d'un mariage, mais peuvent être très différentes d'une famille à une autre. Quelle que soit la manière dont vous célébrez un événement, c'est un moment à partager avec ceux que vous aimez. Dîner de répétition? Afin de préparer la noce à venir, réunissez vos amis et votre famille. J'ai l'impression de voir un autre jeu, j'ai tellement je joue qu'aux versions de base, tu as tous les packs et DLC. Oui, exactement. Oui, c'est ça. J'ai tous les packs, tous les DLC, donc oui, c'est sûr que ça varie vachement ton gameplay, quoi. T'adopteras un dogo aujourd'hui? Oui. En vrai, je sais pas si j'ai envie de faire tout le bordel. Je sais pas si j'ai envie de faire enterrement de vie de John Sim, cérémonie de mariage, into avant ça le dîner de répétition, into avant ça la réception, into oulala, ça fait beaucoup franchement. Enfin, c'est doublon quand même cette histoire. C'est très très long avec tous les événements avant le mariage. Ah ouais, non, j'ai pas du tout envie en fait. Je préfère juste faire la cérémonie de mariage et c'est tout quoi. On va quand même pas se farcir 3 semaines de mariage, c'est bon, on a compris. Mais j'avais peur que ça soit ça, hein. Je vous l'avais dit, quand ça a été annoncé, je vous avais dit c'est bizarre. Un pack uniquement sur les mariages, je trouve ça trop. En plus, ouais, on est en vie courte, on n'a pas que ça à faire. Du coup, tes DLC, tu les as vus avec la release Mephisto ou t'as le jeu en version vanilla sur le store Origin? Non. De quoi tu parles, Zegema? Non, j'ai tous les... C'est IA qui m'envoie toutes les clés. La seule chose que ça change, c'est le choix des activités, mais tout se déroule de la même façon. Ok. Bon, bah, cérémonie de mariage, du coup. Qu'est-ce que ça... Vous n'avez pas assez d'argent pour commencer cet événement. Ok, le... Alors, on va se faire des sous. Alors. Bien sûr. Donc, déjà, je vais mettre... les oignons là, je sais pas ce qu'ils foutent là d'ailleurs. Le coup de clim, on n'a pas de sous en fait. C'est vrai qu'on n'a pas de sous, vous avez raison. C'est infernal du coup. Mettre le sapin ici. Voilà. Vous êtes trop pauvre pour vous marier. Ah, ok, sympa. Donc ça c'est bon. Acheter la bague au manège à bijoux chez Leclerc et l'offrir dans un bon resto. On va fluncher et je vais acheter ma bague au manège à bijoux, en fait, je vois pas où il est le problème. Bon, Kiyoshi, on a plus de thunes. Va au jardin, en fait. Vends tout. Désherbe tout, aussi. Franchement, si ça continue, ouais, on va juste fluncher et puis voilà. Hein. Allumer toutes les bougies. Ok, les filles... Mais attends, mais... Alors, excuse-moi, madame. Que fais-tu encore au lit alors que t'as école? Le patron de Marswin est satisfait, elle a gagné 300$. Eh ben super, 300 simflouz. Alors. Travailler depuis la maison. Par contre... J'ai des factures à payer, je suis au fond du fond, là. 3908, on ne va jamais se marier. Donc, il faut que Marswin prenne 3 photos. Donc, je vais faire impression photo 3 fois. Voilà. 3 photos naze, mais 3 photos, c'est important. Et puis, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, exploitons Kiyoshi. Faut que Kiyoshi gagne plus de sous, en fait. Niveau 4 de la compétence charisme. Allez, on va se motiver. S'entraîner. S'entraîner à faire un discours, à débattre. Se motiver, je crois que c'est ça. Je sais même plus. La facture est catastrophique. Oui.
Qu'est-ce qu'ils font là? Discuter avec Kiyoshi en exprimant son affection. Ah donc ça y est, maintenant vous êtes vraiment des tourtereaux quoi. Ah oui, c'est le discours pour le charisme, merci. Ça y est, v'là qu'elle est enjôleuse, c'est d'accord. S'entraîner à faire un discours. Là, il se motive. Là, il est en mode, tu peux le faire. You can do this. Un institut... Mais non. Un instituteur a surpris la menta en train de copier sur un autre élève pendant un contrôle et l'a envoyé chez le directeur. Oh, ça, c'est pas ma fille. Ça, c'est... Ça, je la reconnais pas, en fait. Salut, Claudie. Bah, franchement, ça fait pas si longtemps que ça qu'on est passé sur le jeu, donc non, t'inquiète. Un ou deux. Je suis sûre que c'est une erreur ou faites-lui repasser le contrôle. C'est une erreur, c'est pas possible. Je suis sûre que c'est une erreur. Plouflouf.com a dit que c'était une erreur. C'est ça que je voulais acheter d'ailleurs, c'était le tableau de la famille. Ça, c'est pas très ratus. Merci les naïades pour le 8e mois. Enfin, franchement, ça a changé notre manière de traiter les enfants hein, dans le dimanche Chill Sims. Hein. Dire qu'avant on s'en foutait, c'était vraiment l'élevage et tout. Maintenant, depuis que la maison elle est stylée, depuis qu'il y a des trucs cool qui arrivent, etc. On s'occupe de notre petite famille, quoi. Voilà, ça régale. Ah oui, pardon, flouflouf.com. T'as déjà triché? Ah oh ben oui. Ben oui, j'ai triché, bien sûr. Bien sûr que j'ai déjà triché. En fait, j'ai déjà triché à... Quel exemple pour la jeunesse. En fait, j'ai triché au brevet. Oh, ça, non, ça m'aurait hérissé les poils. De voir quelqu'un tricher au brevet, j'aurais été trop mal, en fait. Non, non, non. Non, non, je trichais, genre, au contrôle aux F, quoi. Merci à Mobar pour le 3e mois. Quand j'étais frustrée de pas savoir un truc... Moi, je l'ai pas souvent fait, mais je l'ai déjà fait, ouais. Je crois que là où je l'ai plus fait, c'était genre pour des partiels à la fac dont je me foutais vraiment du contenu et j'étais en mode, bon, allez, ça m'a saoulé, ciao. Je crois que là où j'ai le plus triché, c'était à la fac. Sur des matières où je m'en fichais, en fait. Où j'avais trop la flemme, c'était trop, il y avait trop une grosse charge de travail. De toute façon, à la fac, c'est ouf, hein, tout ce qu'on doit encaisser, quoi. Écrire un mot pour Kiyoshi sur le petit tableau de la famille. Les partiels à la fac, non mais oui, enfin, tu vois, je pouvais pas tout apprendre, fallait faire des choix. Donc oui, j'ai déjà triché. Mais franchement, c'était pas du tout ce qui me caractérisait, enfin, genre, je le faisais pas tout le temps non plus. Enfin, ça va, quoi. Mais ouais, à la fac, parfois... Il faut que je fasse des éclairages automatiques partout, sauf pour la bougie. Mais ouais, à la fac, parfois tu te dis, bon, j'ai pas le choix, là, là, là. Bataille de nourriture. Belluna a commencé une bagarre de nourriture à la cafétéria. Beaucoup d'élèves ont suivi son exemple, nous sommes encore en train de tout nettoyer. Oups, ips. Une leaderuse est née. Ou elle devrait aider à tout nettoyer. Allez, vas-y, faites qu'elle choisisse la 2. Oh, putain. Bon, bah, une leaderuse est née. Oh, mon Dieu. Bon, bah, la responsabilité diminue, tu m'étonnes. Flouflou.com a dit une leaderuse est née, hein, ma foi. Déscolarisation en approche. D'ailleurs, sachez aussi, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois... D'ailleurs, elle a trop la dalle. Voilà. Tu vois, ça fait des trucs à la cantine comme ça, là. Ça fait n'importe quoi. Mais ça mange pas. Elle a été privée de repas ou quoi, ma fille? Il en est où, Kiyoshi, là? Ça, c'est pas très ratus. Merci, Leaf. Mais elle se met devant. Tu sais, tout n'est pas centré sur toi, Marswin. Hein. Marswin, elle, c'est bon. Merci, Leaf, hein, pour ce 13e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Vous savez quoi, Marswin va réserver une petite surprise aux filles avant leur retour de l'école. Elle va aller adopter un petit dogo. Je vais...
Alors, je vais le trouver. Oh, mais j'ai pas d'argent. Non, mais c'est ouf. Enfin. Une surprise alors qu'elle fait des bêtises. Non, mais une lideuse est née. Hein. Qu'est-ce que ça, vous voulez que je vous dise? C'est pas très ratus. Merci Rosenbrez pour le sixième mois et merci Miss Pops pour le Prime. Merci beaucoup. Sur l'ordi? Ah bon, mais c'est fou, je pensais qu'on pouvait le faire via le téléphone. Non, mais la facture, ça sera pour plus tard. Vous en faites pas, ça va bien se passer. Salut Lily. Putain, mais le dogo, il va durer 2 jours dans le mode de vie court. Ça va être horrible. Ça va être vraiment horrible. Foyer, adopter un chien. Ouh, putain, mon thé a failli se renverser. Il faut que les filles fassent le sapin aussi. On peut pas désactiver la mort chez les animaux. Ben, c'est pas très RP. Mais je sais pas, je crois que c'est possible. Je sais pas trop, en fait. Il faut que tu nous rapportes des sous, en fait, Marswin. Salut, Bastille. Alors, qu'est-ce qu'on achète? Qu'on adopte? Adopte, don't chop. Myrtille? Myrtille, petite femelle, boule mastif. Un petit cavalier King Charles, oh. Ok. Tempête, foxhound américain, lévrier afghan. Petit lévrier italien. Voyou. Un Saint-Bernard, oh. Tomate, Lily, petit cavalier King Charles irait bien dans la famille, je trouve. Oh, un petit bichon frisé. Non, mais c'est pas trop drôle d'avoir un petit bichon frisé, franchement. Dixie est trop mignonne. En fait, le truc avec Lily, c'est qu'elle est déjà à l'âge adulte et qu'on dirait qu'elle s'est pris un camion dans la gueule, là. Y a pas de Carlin. Ça, c'est un boule mastif. Ziggy ou Voyou. Mais justement, elle est géniale. Ouais, en fait, vous avez raison, justement. Par contre, j'avoue, il y a 2 voyous. Voyou 1, voyou 2. Merci Exorcist TV pour le 7e mois, merci beaucoup. Thomas, t'es trop choupi. Je pense qu'on va prendre le cocker, le bichon ou le King Charles. J'ai vraiment envie d'avoir ce genre de chien dans le foyer. Je veux trop ça, je crois. Donc, on va demander aux 3 de venir pour faire un petit comparo. Et je pense qu'en attendant, elle va faire une toile parce qu'il nous faut des sous et que ben c'est pas ça qui ramène des sous, quoi. J'aime bien Tomate. C'est trop drôle qu'il s'appelle Tomate en plus. Kiyoshi, qu'est-ce que tu fais? Complètement, mais non, mais ça va pas la tête. Qu'est-ce qu'il a? Écrire un mot rempli de colère. C'est hideux. N'aime pas la décoration. Enlevez ça tout de suite, Kiyoshi déteste le style de décoration contemporain. Quoi? Lui aussi? Mais il se fout de ma gueule? Non mais attends. Je passe ma vie... Ah bah oui, va faire du yoga, je t'en prie, concentre-toi. Hein. Je passe ma vie à faire une déco incroyable... Et entre Salim et lui, il n'y a personne qui aime l'art contemporain, en fait. Bon, ça, c'est pas gagné non plus. Bah, vas-y, hein, je t'en prie, détends-toi, hein, Kiyoshi. Il saoule, comme s'il avait le choix. Dites-nous, monsieur. Présentation prudente. Présentation prudente et présentation prudente. Qui allons-nous... Non, mais attends, mais Lily est vraiment très drôle, hein. Go changer de mec. À 2 doigts de le tèche pour Jules. Oh, Lily, elle s'est pris un mur ou quoi? Il va falloir construire une cabane rustique au fond du jardin. Je pense qu'il aime, tu sais, le style du Monko Morebi, du coup, Kiyoshi. Elle est affreuse. Oh, elle m'aime pas. Quoi? Mais attends, c'est une blague. Lily m'aime pas du tout. Dag, Yon Rav. Ah, Dixie m'aime bien. Candy, qu'est-ce qu'il y a?
Hugo Bida et moi envisagions de passer du temps ensemble. Oh bah vas-y, lance-toi, je t'en prie, trompe mon frère. Aucun problème. C'est à cause du nez. Elle est jalouse de mon nez parce qu'elle en a pas, Lily, en fait. On réessaye. Je vais lui proposer mon amitié. Je vais essayer de lui parler. De la caresser. Trop laide. Il est où le petit bichon là? Qu'est-ce qu'il fout? Eh? Vous vous êtes cru chez vous ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a mon bébou? Oh. Il s'est mis sous la table mon bébé! Oh là là, il est trop chou! Ça, c'est Tomate. Il m'aime bien, Tomate et Dixie. Il m'aime bien, en vrai. Petit bout de cul, regardez, il s'est mis sous la table, mon bébou. Il est déjà chez lui, sur le tapis. Proposer son amitié. Bah, franchement, j'ai envie de dire, Lily... Lily, tu saoules, en fait. Elle aussi, elle s'est mise sur le tapis, en fait. Prends les trois. Oh, qu'est-ce qu'il y a, l'autre? Il s'est cru où, lui? Tomate, même pas. Mais il pleure, mais je crois qu'il a peur. Bon, allez, faut qu'on décide. Dixie, Tomate, Lily, Paul, hop, quel chien? Lily, Cavalier, King, Charles, Dixie, donc Dixie, c'est... Je me souviens même plus ce que c'est, je crois que c'est un bichon, un truc comme ça. Et lui, c'est Tomate, le beige. Je fais un petit sondage. Si vous pouviez voter entre Tomate, Dixie et Lily, la King Charles désagréable. En attendant, Marswin, tu vas tout sauf manger, en fait. Tu vas juste faire un gâteau pour ta fille. Ça, c'est pas très ratus. Merci Ayane pour le 7e mois. Merci beaucoup. Gâteau noix de coco, gâteau chocolat. Non mais attends, j'ai demandé à Kiyoshi de le faire en fait, parce que vu qu'il sert un peu à rien, autant qu'il fasse le gâteau. Gâteau. J'en avais vu un la dernière fois que j'avais pas... Un gâteau d'hiver, ça peut le faire en vrai. J'espère qu'ils peuvent s'en servir pour le pour l'anniversaire. Je vous invite à voter pour votre toutou préféré entre Dixie, Tomate et Lily. Donc, arrêtez! Arrête de faire à manger tout le temps, c'est infernal en fait. Tomate tout fluffy qui court. En vrai, ils sont très mimi, ouais. Reprends la toile. Il est trop mignon. Ah! Oh! Mais Lily a découvert le fameux buisson. Le buisson de la corruption a été découvert par Lily. Oula! Oulala! Là là, tu te souviens, on avait parlé de Jay Hannington, j'ai un rencard avec lui. Bah super. Les filles... Oh là là, elle est fatiguée la pauvre. Va vite faire une sieste, ma pauvre. La Manta est rentrée à la maison avec un projet scolaire et Belluna aussi. Ça, c'est pas très ratus. Elle est où la babale? Non mais attendez. Lily m'a sorti un cadeau du buisson en fait. Une petite balle? Mais attends, elle est trop mimi. Moi, j'ai cru que ça allait être bizarre comme truc, mais en fait, non, ça va. Ça change tout. Bah ouais, elle nous a ramené une balle du buisson, on est obligé de la prendre. On est obligé de prendre Lily. Elle win. On est obligé de la prendre. Bon, elle est adulte. Le buisson l'a adoubée. Mais oui, c'est ça. Le buisson l'a adoubée, on est obligé. Alors, elle est où? Se bagarrer? Comment ça, se bagarrer avec Jules? Au revoir. Non mais attends. Elle est où, Lily? Pardon, pas Lily. Oui, Lily. Gâteau d'hiver. Acheter les bougies d'anniversaire. Mais le peuple a parlé. Écoutez, c'est pas du tout une démocratie ici. Je sais pas qui vous a dit ça. En tout cas, pas moi. Donc... elle a été adoubée par le buisson en fait, c'est plus fort que n'importe quel vote. Juste, ce que j'aimerais,
c'est retrouver le chien. Où est Lily? Ah, il y a eu un bug là. Où est la chienne, s'il vous plaît? Le peuple veut Dixie. Mais en vrai, vous avez raison de vouloir Dixie, mais c'était sans compter cette histoire de Lily qui trouve un truc dans le buisson. Le buisson, c'est quand même un truc emblématique. Elle a été avalée par le dieu du buisson. C'est pas très ratus. Merci, Jovan, pour le 21e mois. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, écoutez, cette chienne a disparu. Tous les chiens ont disparu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui a mis du blush dans les chiottes, en fait? Encore une histoire de angle droit, en fait. En fait, je veux bien terminer l'évaluation d'adoption, mais je retrouve plus le chien. J'ai regardé sous l'escalier déjà. En fait, j'en vois aucun des trois. On dirait que ça a bugué. Ah, Raph s'en va, votre rendez-vous d'évaluation pour l'adoption est terminé. Bon, bah, sympa, je vais rappeler dans la foulée. Arrête de bouffer! C'est pas l'heure, c'est l'anniversaire de ta fille en plus, faire quelque chose. Il y avait pas un épisode de Charmed comme ça, avec un buisson qui avale des gens? Je sais pas, mais ça me tue. Donc, j'aurais dû utiliser la caméra, en effet, foyer. Donc c'est pour l'anniversaire, hein, écoute, qu'on adopte. Non, on va pas adopter un enfant. L'anniversaire, donc foyer, adopter un chien. Et on va faire souffler les bougies à la petite. Et on peut lui dire que... Oh, Sophie! C'est un Toy Fox terrier! Oh là là, le bébou! Non mais Lily est un chien moche adopté par le buisson, on peut pas passer au-dessus. Hop. Ok. Joyeux anniversaire, Belluna. On va convier tes cousines. Commencer la réunion. Restez ici. Et du coup, Belluna va tout simplement, donc c'est le goûter d'anniversaire, et elle va tout simplement faire venir Nalani, donc sa tante, Candy, autre tante, Jules, parce que c'est... non, c'est pas le père, pardon. Julie. Oh, Julie est devenue ado! Céline, elle vient... Non, Julie vient déjà, en fait, vu qu'elle est dans le groupe. Igorno. Ah bah, il est là, Igorno. Bigorno, je l'ai là, plus le pauvre. Donc, Igorno, invité à entrer. Ursulin. Mais ils sont tous là, c'est fou. Demander de passer du temps ensemble. Bigorno, le pauvre. Pauvre Bess qui va mourir alors qu'elle a été cocu toute sa vie. Et notre très cher Saturnin. Voilà. Bigorno. Hop. Où est ma fille? Oh, elles se sont toutes habillées en fans de Fort Town. Très bien. Alors, vas-y. Pipi. Elles vont pas faire long feu, hein, parce qu'elles sont vannées. Hein. En plus, elles ont même pas fait leur devoir. Elle fait des longueurs. Une petite... Changer de station. Viens, elle met... Venez, elle met genre... Pop pour pré-ado. Danser ensemble. Pendant que Marswin adopte le toutou. Adopté. Après, faut qu'elles mettent du métal. Par contre, je suis un peu deg. Bah ouais, mais bon, de toute façon, elles vont toutes devenir ados. Hein. Donc, Julie est devenue ado. Non, mais je pense que je vais mettre... Écoute, changer de station. De la pop pour pré-ado. Parce qu'elles sont fans.
de ce groupe super connu et elles vont danser ensemble. Allez. Écoutez, changer de station. Ça, c'est pas très ratus. Régler le volume, élever. Mais attends, mais Céline aussi a grandi ? Oh, elles grandissent toutes. Du coup, elles sont plus habillées en fan de Fortown. Oh non. Pff, la pauvre Lamanta, elle va être toute seule. C'était la... Franchement, heureusement que la dernière fois, on a beaucoup joué avec les filles quand elles étaient enfants. Parce que là, ça y est, elles sont toutes ados. Hein, c'est terminé. Donc, il va falloir refaire les outfits, c'est ça. Après, je sais pas si c'est aussi signé, mais elle me tue avec son haut, là. Mais... Bah ouais, t'es fatiguée, ma pauvre. La pauvre. Mais ouais, oui, je souhaite adopter cet animal. Est-ce que... Comment on l'appelle, Lily ? Venez, on lui donne un nom ingrat, genre poupette. Truc comme ça. Princesse. On peut l'appeler Bernard. Pour Bernard l'ermite. Arquin. Duchesse. Mes parents m'appellent Poupette. Oui, mais bon, pour un chien, l'appeler Poupette, c'est rigolo quand même. Ou alors, elle l'appelle Bertie en souvenir de leur mamie. Le chion. Bouchon. Pépette comme un certain autre chien moche. Allez, je ne vise personne moi non plus. Mais Pépette comme un certain autre chien pas très élégant non plus. Pépette, c'est une très bonne idée. Nous l'ajoutons au foyer et voici, voilà, Pépette. Dans la famille, bien sûr. Je pense que il faut que Marswin... Attends, déjà, on fête l'anniversaire. Et ensuite, on donne de quoi se sustenter à Pépette. Donc, c'est parti. Belluna, je t'en prie. Fais un vœu et célèbre ton anniversaire. Elle va devenir ado comme avec ses autres cousines, du coup. Hein, mais bon, Lamanta, elle va rester toute seule. Pêcherette. Attends, reste au moins pour l'anniversaire de ta sœur. Mais arrête de vouloir bouffer. Mais Marswin, elle saoule avec son assiette de je sais pas quoi. Allez. Ouais, Belluna a vieilli. Pas la rêve de Pépette. Pépette, c'est la chienne de Angèle. Vous trouvez moche son chien? Bah, moi, j'aime pas trop. Mais après, elle est trop mimi, tu vois. Mais c'est pas la... Oui, c'est pas le genre de chien que je trouve beau, oui, c'est sûr. Mais elle est trop chou. Elle est chou, quoi. C'est un carlin croisé, je crois, avec un Robinson. Ah ouais, sérieux? Elle est moche, mais drôle, et donc mimi. Mais oui, elle est rigolote, quoi. Bah, elle a un physique un peu particulier. Ok, Belluna a vieilli au programme. Premier émoi, jogging qui sentent la transpi et révolution hormonale. J'adore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh! Jalouse. C'est pas possible. C'est l'un des pires traits de caractère. Heureusement qu'on l'apprend pas. Hein. C'est vraiment l'un des pires traits de caractère, la jalousie dans les Sims. Et donc, son trait principal, ça va de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sachant que Star Wars, ça compte pas. Donc, j'ai juste générer un chiffre entre 1 et 14. Entre 1 et 14, et je tombe sur 12. Donc je crois que c'est popularité, hein. Ouais. Popularité, et du coup, là, il faut que ce soit de 1 à 6, parce que je vais pas mettre vampire dedans. Donc 1 à 6, hop, et c'est 6, donc c'est chef de la bande. Cette team veut être le chef du meilleur groupe de la ville.
Bon, bah voilà, en vrai. Hein. Donc, Belluna est chef de la bande avec le trait sociable, mais elle est aussi pitre et jalouse. En vrai, c'est plutôt cohérent avec tout ce qu'on a eu autour d'elle depuis le début. Genre, chef de bande, mais du coup, giga jalouse si l'attention, elle n'est pas portée sur elle. Franchement, c'est plutôt cohérent. Oh, oh en vrai, elle est pas moche, mais c'est vraiment le nez. C'est juste le nez, mais sinon, c'est une beauté. Non, mais je suis désolée, mais c'est juste le nez. Sinon, c'est vraiment une beauté. Le piercing dans le nez pour bien attirer. Putain. Oh alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la modifier dans le cus. J'irai pas jusque là. Non mais attends, c'est une beauté. Julie est trop belle à côté. Oh, oh non, elle a l'air sévère en plus. Oh! J'essaye d'arranger ça, hein, mais... On l'emmène à l'atelier du sourcil, du coup. Oh, non, non, mais elle est pas belle du tout, du tout, du tout. Mon Dieu. Pitié, les anneaux, enlève-les. Oh, elle en a deux. Putain. Bon. Elle veut une coupe courte? On va lui faire une coupe courte. Genre comme ça, moyenne. Oh là là. Vous savez que je la trouve pas plus belle que Marswyn? En fait, c'est un truc de fou parce que je ne vois quasiment pas d'amélioration par rapport à Marswyn en fait. Donc j'ai peur pour la Manta, mais vraiment c'est leur petite fille qui va devoir gagner hein. Si les yeux, ouais ouais les yeux. Bah les yeux de son père en fait. Mmh. Petite Marswyn. C'est marrant en vrai que Belluna elle ait cette couleur de peau là. Parce que Belluna, j'ai l'impression qu'elle est plus foncée que Marswyn. Alors que le père de Belluna c'est Kiyoshi et qu'il est vachement plus clair. C'est marrant. Les yeux de son père, elle a des beaux yeux quoi. Il n'y aurait pas le nez, elle ferait humaine. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je peux pas changer le nez de Belluna. Bah non, c'est le but du challenge. Enfin. C'est de ne pas changer. Belluna est mieux quand même. Oui. Non, mais pour voir... non, non, je préfère pas toucher. Bah, surtout que là, j'ai pas mis le cheat code pour pouvoir toucher, justement. Mmh, on va peut-être pas lui mettre la même coupe que quand elle était petite. Ouh là là, ça lui va pas du tout. Ça, c'est vraiment dans moyen. Ah non. Petite queue de cheval. Oh là là, c'est pas du tout à son avantage. Je suis pas sûre que les cheveux courts, c'est ce qui lui plie, enfin, c'est ce qui lui va le mieux, quoi. On n'avait pas dit la semaine dernière qu'on pouvait changer les sourcils. Bah c'est ce que je viens de faire, j'ai mis le moins pire, entre guillemets. Le nez est plus grand, non, non mais moi aussi j'ai l'impression que le nez est plus grand. Mais je crois que c'est parce que c'est son... Non, non, c'est le même en fait. C'est vraiment le même. Hein. Elle fait vraiment peur. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qui lui va? Non mais on va forcément trouver. Cette coupe c'est l'une des plus moches du jeu. Hein. Franchement faut la supprimer hein, tellement que j'aurais honte à votre place de laisser cette coupe supprimée là. Mmh. Ouais, on a changé en fait, on a fait ce qu'on a pu. C'est le moins terrible. Oh mon Dieu. Coupe courte était pas mal, non? Y a rien qui lui... Oh là, oh là là. L'afro lui irait bien. Mais ouais, mais c'est pas logique qu'elle ait une afro. Elle a un père asiatique et une mère à moitié maghrébine. Et Bertie, on sait pas. Ça, ça lui va plutôt bien.
a une coupe catboy, ouais. Ça, ça lui va plutôt bien. C'était laquelle? Celle-là. Celle avec les mèches violettes détournées l'attention du visage. Oh! Ouais. Oh là là. Oui, pardon, je vais la mettre avec ses vêtements quotidiens, vous avez raison. La frange du pack via la campagne, elle est plutôt bien. Peut-être pas... Elle avait... Ouais. Oh, ça, c'est la coupe de sa sœur. C'est sa sœur qui a une frange. Elle aussi, elle avait une frange courte. Ça, ça lui va bien, ça va en vrai. Comme ça lui va bien, je trouve, cette queue de cheval. Et sinon... Ça lui va plutôt bien aussi. Qu'est-ce qu'il y a en super court? Non. Oh non. Oh, fais plus jamais ça. Au moins, elle respire bien. Au moins, elle prend des grandes inspi. Attendez. Ça, c'est pas très ratus. Merci, Eleanor, pour le 15e mois. Merci beaucoup. C'est volontaire, le nez? Bah, c'est le but du challenge. Attendez, juste un instant, je prends des nouvelles de mes cousines qui étaient dans le train. Excusez-moi, juste deux petites minutes. Ok. La musique fait un peu celle du menu de FF14. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Cette coupe courte lui va plutôt bien, je trouve. Mais je sais pas. Je crois que je trouve que... Si elle nage sur le dos, on la confond avec Arc. Oui, elle a la voix de la mer. Ouais, elle a la voix de la mer. Ok. La coupe courte est bien. J'aimais bien cette petite coupe-là ou la petite queue de cheval aussi. La queue de cheval sur le côté du pack fitness, je crois. Elle est où? La tresse avec la queue de cheval. Attends, c'était quoi déjà? Ça lui va plutôt bien, mais j'aime pas le nœud derrière, il me saoule. Je la retrouve plus... La courte, super courte avec le petit serre-tête, c'est trop mignon. Ouais. Je crois que j'aurais aimé garder cette coupe pour... Oh, ça lui va bien, ça, en vrai. Elle est plutôt belle avec cette queue de cheval. Et cette frange pour cacher un peu la misère. Salut, Abricot. Oui, elle est jolie quand on fait abstraction du nez. Mais oui, elle est jolie quand on fait abstraction du nez. Ils aiment trop mettre des petits nœuds partout sur des jolies coiffures, ça gâche tout. Oui, ils font ça, mais en fait, ils devraient faire une version avec et sans nœuds, moi, je trouve. Je trouve que cette grande queue de cheval lui va bien. On réessaye juste avec la coupe que je ne retrouve plus du pack fitness. Et Ça,
c'est pas très ratus. Merci Julie pour le Prime. Merci beaucoup. Bienvenue dans la team des ratus, merci. Fitness. Ah, ah oui, voilà, c'est elle. En vrai, la grande queue de cheval, ça lui va plutôt bien. Ouais, je vais faire ça. Ok, alors, qu'est-ce qu'on lui met comme tenue? La petite Belluna. Ouh là là, ouh là, enlève-moi ce maquillage tout de suite, c'est trop. T'es une ado, hein, t'as pas 45 ans. Putain, elle ressemble pas du tout à une ado. C'est quoi ton challenge? Le but du challenge, c'est... en gros, qu'en 5 générations, vous devez avoir dilué les traits inhumains d'un sim que vous avez créé au préalable, qui, lui, a des traits complètement inhumains, en fait. Donc, on a créé Bertulda, qui était vraiment hideuse, la pauvre. Et... ah bah, c'est le même haut que Marswyn, j'allais dire, ça lui va bien, mais c'est le même haut que Marswyn. On a créé une sim totalement hideuse, et en 5 générations, on est censé... avoir, s'être débarrassé en ça, fait des traits qui lui vont pas, enfin qui lui vont pas, qui sont inhumains en fait. Salut Allison, j'arrive sur une beauté, t'as vu un peu? Salut Christo, merci pour le 3e mois. Donc voilà, donc là en fait par exemple, en gros, et donc c'est en 5 générations, la première génération elle compte, donc au bout de 5 générations, je vais devoir, ça aussi c'est une coupe, une tenue qu'on a fait faire à Marswyn. Donc ça c'est les arrière-petits-enfants de Belluna ou Lamenta devra être un sim qui ressemble à quelque chose d'humain et montrera si on a gagné ou non le challenge. Par contre, ah, oh là là, il y a vraiment un problème avec ce nez, les pauvres. Ils peuvent vraiment pas avoir de problème de vue, ces enfants là, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on lui donne comme style? Mm-hmm. On peut faire un truc avec ça, mais je vais changer quelques trucs, vous verrez. On lui fait un style métal. Ah, oh, c'était la tenue de Morgan, ça, j'aimais trop. Ça lui va bien, en plus. Ça lui va trop bien. Avec ce nez, il doit avoir une vision d'aigle. Laissez-la tranquille. Je l'aime trop, moi. J'aime bien cette tenue aussi. Je la trouve cool. Il y a un truc à faire avec cette tenue. Donc c'est elle qui aime le métal. Eh bien écoutez, on va faire avec. Alors. Enfin métal, métal. On va lui faire un look un peu grunge quoi. Mais voilà, on fait ce qu'on peut. Donc qu'est-ce que je lui mets comme pantalon? Il nous faut un taille haute. Un jean. Taille haute. Pas moulant. Elles sont pas toutes à fond sur le métal. Elles aiment bien le métal, mais elles aiment bien aussi la K-pop, hein, parce que... Ah, voilà. Elles aiment bien aussi la K-pop... Enfin, la K-pop. Non, pas la K-pop, mais elles aiment bien aussi les groupes de pop pour pré-ado. Voilà. Cette voix qui se transmet de mère en fille. Mon Dieu. Oui, non, mais vous inquiétez pas, je ne lui mets pas ce bonnet. Je suis en train de lui faire sa tenue. Je suis en train de lui faire sa tenue. Vous inquiétez pas. Je ne vais pas mettre ce bonnet. Je cherche un truc sympa à lui mettre. Ça fait too much. C'était bien le pantalon que j'avais mis tout à l'heure, je crois. Un pantalon à strass. Même le maquillage, tout ça, vous inquiétez pas, on va faire quelque chose. Hein. Je suis en train de le faire. Ok. La K-pop. K-pop. J'avais trouvé un pantalon qui était pas mal. J'ai du mal à voir ce qu'on peut faire avec cette jupe qui n'est même pas en plusieurs couleurs, franchement. Je comprends pas.
Je veux un taille haute avec ce crop top, en fait. Donc, jean. Jean taille haute. Celui-là est pas immonde. Lui, il est pas mal, en vrai. Salut, Polypoti Poulpe. Ouais, je pense que je vais mettre lui. Non, lui. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais lui enlever ses écarteurs, je pense. Mais si elle veut garder son piercing au nez qu'elle avait, là, je veux bien. Enfin, je trouve que c'est chouette. Donc, on peut lui en mettre... On peut lui mettre une espèce de nostril, ça peut être cool. Hop. Et j'en suis à la troisième génération Apple Strop. On peut pas lui mettre de lunettes, hein, définitivement. Le mec qui a fait le piercing a dû galérer. Oui, de ouf. Je crois que je vais pas lui mettre de boucle d'oreille. J'aimais bien les écarteurs. J'ai pas envie que ça fasse un cliché ambulant, ni que ça soit too much non plus. Genre piercing into écarteur, into collier de chien, into haut en... Comment dire? Haut en... au filet de pêche, into veste à patch, into... Enfin, vous voyez. C'est beaucoup, ça, quoi. C'est pas très rapide. Merci, Ethel Ravenclaw. Merci pour le 4e mois. Merci beaucoup. Donc, hop. On va lui mettre... dans les Sims, je suis toujours déçue des make-up. Et là, c'est quelle génération? Donc ça, c'est la troisième. Ça, c'est la troisième génération. Non, il n'y a pas d'indus. Non, il n'y a pas d'indus. Bon, je le mets en Austral, c'est bien. On va pas lui mettre 6 milliards de piercings non plus, je pense. Elle est chou comme ça. Mais vraiment, elle est belle, en vrai. C'est le nez, quoi, qui pose problème, hein, ça, c'est sûr. J'aurais bien aimé mettre un... La veste à patch, le collier à pic, les écarteurs. Attends, c'est le look de ma BFF. Attends, je reconnais ce look. Un petit eyeliner lui irait bien. Ouais, voilà, des trop beaux yeux en plus, donc... De ouf, juste je cherche un peu ce que je peux faire. J'ai l'impression que c'est pas adapté cet eyeliner pour ses yeux en fait. Vous pensez qu'elle a crocheté son t-shirt directement avec son nez? Oui. Comme ça, c'est mieux, tu vois, c'est déjà plus adapté. Ouais, j'aime bien celui-là. Et... Voilà, un peu de blush. Et je pense que je peux faire ça. Voilà. Re-slicen. Et en rouge, mais beaucoup plus clair. Voilà. C'est pas Beluga, c'est un toucan. Ah bah tiens, ça me donne de l'inspi pour le prochain bébé, tiens. Qu'est-ce que je lui mets en bijoux? Accessoires? Bracelet? Je sais pas trop si je lui mets un bracelet en particulier. Je le connais pas par cœur. Oh, elle a des montres connectées. Oh, Kiyoshi, il en faut une. Enfin, je sais pas, ça se trouve, il y en a déjà une.
Param, pam, pam, pam. Ouais, tiens, le petit bracelet comme ça, c'est pas mal de toutes les couleurs. Moi, j'en avais plein quand j'étais ado, des bracelets comme ça qui avaient rien à voir les uns avec les autres. Et du coup, hop. Voilà. Tout qui ? Titoucan. Titoucan si c'est un garçon. Et ensuite, je sais pas s'il y a pas juste des boucles simples. Oui, ça manque de boucles d'oreilles classiques, genre, vous savez, plein de petits trous de piercing. Oui, j'ai adopté un chien, regardez-moi ça, regardez-moi cette horreur. C'est Pépette. Voilà. Ok. Comme ça, elle est pas mal. Je vais juste lui faire une deuxième tenue avec... un petit haut. Ah, ce haut-là, je l'aime bien. Je vois peut-être plus la manta avec. Elle s'est pris un camion, la pauvre. Pauvre Pépette. Vous êtes monstrueux avec elle. La musique en fond, bah c'est la musique du jeu, Atoï. Je l'aime bien ce haut, je trouve qu'il lui va bien en plus. Donc je vais juste faire ça. Enlever son fard à paupières. Voilà, baisser un peu l'opacité de son rouge à lèvres. Et c'est combien de générations pour le chien beau ? Monstrueux avec elle. Voilà, je lui mets des petites chaussures grises. Ok, ça lui fait ses deux tenues. Oula ! Putain. Oulala ! Là là. Oulala là là. On va faire... on va lui mettre une tenue habillée. C'est Donatien, Donatienne. En vrai, il y a juste les pommettes et le nez, non. Non, mais franchement, elle est vraiment bien. Hein. Elle est vraiment bien, Belluna. Elle est plutôt jolie et tout, je kiffe. Je sais pas si j'ai envie de lui mettre un... Je sais pas si j'ai envie de lui mettre un jean. Une robe, pardon. Le chapeau. La robe avec la veste en jean. La robe avec la veste en jean. Est-ce qu'il y a ça ? Ça pourrait convenir avec ta description, mais je sais pas de laquelle on parle. Ouais, elle a la même voix que sa mère. Après, la manta, je sais pas pour sa voix. Ah, c'est trop beau. Elle lui va super bien, cette robe. C'est qu'une ado pour le moment. Oui, bien sûr. Trop chou, ça. Il y a une robe avec une veste en jean. Mais qu'est-ce que... Ah oui, c'est vrai qu'il y a plein de belles robes, là. Oh là là, trop cool. Pour le mariage, là, il va falloir se décider. Hein. La forme du corps, c'est par rapport à la malbouffe ? Pas du tout. C'est Marswin qui est né comme ça. Et du coup, bah, c'est juste génétique, quoi. Elle a le corps de sa maman, quoi. En gros. Mais Marswin, je sais pas pourquoi, elle a fondu. Je crois que c'est le yoga. Je sais pas ce qui s'est passé. Je parlais de la jaune, mais c'est pas du jean. Ah, de la jaune ! Celle-là, là. Ah ouais, non, je trouve que ça lui va pas trop. Non, mais j'aurais bien aimé faire... Elle fait plus vieille que sa mère, mais non. Oui, oui, c'est pas du jean, c'est pas du jean. Y a pas une veste en jean avec une jupe longue dans le jeu de base. Il y a en effet une jupe longue.
Cette jupe là, elle est cool. Et du coup, avec, je pourrais mettre une espèce de crop top. Et ce haut là, il est nouveau dans le jeu. Je ne sais pas ce qu'il représente ni pourquoi il y a des espèces de SDF qui le portent. Vraiment, il y a des trucs que je comprends pas avec le haut tacheté de peinture. Il faut qu'on m'explique. C'est la troisième génération, Jaws. Petite veste, ouais. Un truc qui se rentre dans le dans la jupe. J'aimerais bien. Ouais. Il est trop joli ce haut, je l'aime beaucoup à chaque fois, enfin je le mets souvent. Mais oui, si vous venez de débarquer et que vous ne savez pas ce qu'on fait, etc., vous pouvez faire point d'exclamation challenge. C'est pas très ratus. Et vous aurez toutes les infos sur le challenge qu'on est en train de faire. Merci Unfi pour le cinquième mois. Merci beaucoup. C'est la première fois que je m'abonne par moi-même. Croyez-le ou non, j'ai donné mon prime sans le faire exprès. Je me suis endormie devant la rediffusion du jeudi indé pendant la nuit de vendredi à samedi. Quoi qu'il en soit, je suis contente de retrouver mes émotes préférées. Bah merci beaucoup. Merci, merci. Donc du coup, tu t'es sub sans faire exprès, quoi. La jupe longue, comme ça, ça fait grand-mère. Quoi? On peut dire qu'elle s'en bat les couilles de sa tenue habillée aussi. Genre, qu'elle s'en fout, en fait. Qu'elle est en mode fuck les conventions, je m'habille comme je veux. On peut aussi dire ça. Ouais. Et donc, la mettre comme ça, justement, en fait. Ouais, c'est bizarre, une fille. Elle est un peu one life, finalement, ouais. Non, mais genre, ouais, elle s'en fout. Ou au contraire, en fait, elle fait l'inverse, quoi. Elle s'habille avec un truc un peu troué. Moi, je trouve pas que les jupes longues, ça fasse mamie, j'avoue. Vous abusez, quand même. Ah, il est beau, lui, pourquoi pas. Avec un haut... Oh, il est trop beau ce haut. Il va plutôt bien. En vrai, en trois générations, c'est pas mal. Bah ouais, moi je trouve. Hein. Celui-là aussi, je l'aime bien de haut là. En transparence, comme ça, je le kiffe. Mais je pense pour la Manta, ce haut, je vois un peu le style que je veux donner à la Manta. Là, je cherchais une espèce de hoodie, genre ouais, un sweat, un truc comme ça. En mode, je m'en fous. Il y a plein de jolies robes, c'est dommage. Bah, elle a son style, quoi. Voilà, ça, c'est sa tenue habillée. À quoi ressemblait la première? Eh ben, là, je l'ai pas. Donc, je l'ai pas dans mon foyer. Mais Bertie, tu peux voir des photos d'elle, si tu veux. Sur ma chaîne YouTube Replay, pourquoi pas, par exemple. Voilà, avec des baskets, et du coup, elle se fait engueuler par ses parents, en mode, ben franchement, tu pourrais être présentable quand même. Moi, je vois ça comme ça. Bon, je vais mettre une paire de baskets, du coup. Hop. Voilà. Et du coup, en sport... Ah oui, merde, la coupe. Hop. La queue de cheval. Elle était grise. Elle avait la peau bleu clair, en fait. Elle avait la peau bleu clair. Bertie. Là, on va lui mettre ça, avec un jog, un bas de jog. Genre celui-là. Lui.
de université. Le gris a l'air un peu plus comme je le veux. Et du coup, en accessoire, on va enlever ça. Elle avait des cheveux roses et sourcils dessinés au stabilo. Ouais, elle avait le même nez d'ailleurs. Tiens, on va lui mettre une petite montre connectée. Ah non, on la verra pas. Ok. Je les trouve vraiment pas belles, ces chaussures-là. Au secours. Voilà. Il n'y a pas les cousins. Il y a les cousins qui ont la peau... Il y a des cousins qui ont la peau bleue, en effet. Hop. Pour sa tenue de dodo, ça, c'est sa tenue de fête. Je la vois bien mettre un truc un peu fun. Oh, ça lui va trop bien. Oula, on va se calmer quand même. Ça, j'aime bien. Juste un peu différent. Voilà. Et les chaussures... no thanks, merci. Elle avait un regard foudroyant. Vous avez vu? C'est une vraie beauté. Basket, basket, basket. Voilà. Les baskets de fête. Et là... Son rouge à lèvres, je vais passer en rouge à lèvres mat et je vais baisser l'opacité. Par contre, c'est trop chiant le coup des piercings. Faut les remettre à chaque fois et tout. C'est vraiment chiant. Je vais enlever ceux-là. Et du coup, c'est au niveau du nez, donc ça et ça. Voilà. Imagine, elle éternue. Vaut mieux pas imaginer, je pense. Elle est chou, cette veste, je trouve. Ça lui donne un côté un peu rock. Y a pas tout qui lui va dans ce que je lui ai choisi. Enfin, comme ça, c'est peut-être un peu mieux. Mais oui, elle a des trop beaux yeux. Bah, elle a les yeux de son père. Elle a trop beaux yeux, en fait. Oh là là, c'est quoi cette dégaine? Bien sûr qu'elle a des trop beaux yeux. Cette beauté. Hop. On va pouvoir trouver des compagnons à tout le monde. C'est vrai. C'est vrai. Hop, enlève-moi cette merde. Voilà. Ah, mais ce maillot de bain, il est nul, en fait. Il est nul parce que du coup... Enfin, c'est pas un maillot de bain, c'est un body. Mais il est nul à chier parce qu'en fait, on voit la culotte dépasser, ce qui n'a aucun sens. Donc, voilà. Donc, je peux pas le mettre. On va plutôt lui mettre... celui-là. Et hop. Mais c'est vraiment naze. Robe fluide. Ça, c'est sa tenue temps chaud. En vrai, je lui mettrais bien ce petit short, là. Elle a la voix de son père. Ah non, non, non. Elle a la voix de sa mère. Elle a la douce voix de sa mère et de sa grand-mère, en fait. Voilà la voix qu'elle a. Je cherche le short. Là. Elle va avoir une espérance de vie trop courte, c'est trop triste. Bah comme tous hein, dans le jeu là, hein. Depuis le début, c'est comme ça en fait, hein. C'est chiant. Hein. Donc ça c'est temps chaud. Donc on va faire ça. Oh là, les lunettes, elles tiennent même pas. J'aimerais trop qu'on puisse verrouiller un accessoire ou un vêtement. Bah ouais, moi aussi, parce que du coup, ça manque toujours de cohérence à chaque fois. Il y a forcément un moment où j'oublie un piercing ou un truc comme ça. Donc c'est vrai que c'est bien dommage. Je te le concède. Merci Clyde qui a renouvelé l'abonnement offert par Fredo. C'est incroyable, merci beaucoup. Donc ça c'est sa tenue de temps chaud. Et sa tenue de temps froid, je pense que je vais mettre... Mais ouais, elle a un nez magnifique. Ok, je savais pas que ça s'afficherait. Et bah oui, ça s'affiche. Bon bah voilà. Ah, mais ça c'est la tenue que j'ai mis pourtant. Ah oui, j'ai même pas fait exprès. Ok, bon, bah voilà. Elle s'habille beaucoup en rouge et noir. C'est fait. Il faudrait créer un mausolée pour se souvenir de ses beautés.
Bah j'ai le cimetière quand même là dans le terrain. J'ai le cimetière. Bon. Kiyoshi, pourquoi il fait la sieste ici? C'est quoi le deal? Attends, on va sympathiser avec les gens quand même, non? Non mais là, je sens que quelqu'un a voulu faire une mauvaise blague. Je le sens mal, cette histoire. Heureusement que j'envoie Kiyoshi au charbon. On refait les tenues pour le groupe Cousinade? Ben, ça un peu à rien, parce que pour l'instant... En fait, disons que le délire de s'habiller pareil, moi, je trouve que c'est souvent un truc qui relève des enfants, mais ados... Je suis moins convaincue, quoi. Prendre un morceau de gâteau. Par contre, refaire leur tenue, oui, ça oui. Du coup, Céline. Céline, modifiée dans cuisse. Je déteste la spontanéité des blagues dans les WC. Ah, mais du coup, on l'a même pas vu. Alors, Céline. Regardez, c'est lui le deuxième. Le deuxième, mais lui, il est trop mignon. Juste, il a la peau bleue, mais sinon, il est trop chou. Je l'aime trop. Yann, il s'appelle. Et du coup, Céline, elle avait les cheveux courts quand elle était enfant. Donc, j'aurais bien aimé lui laisser les cheveux courts. Et je pense que elle, typiquement, Céline pourrait mettre la coupe qu'on avait commencé à mettre tout à l'heure. Celle-ci. Céline est vraiment chou. Alors. Non, non, mais oui, mais Céline a gagné le challenge, en fait. Céline a complètement gagné le challenge. Heureusement qu'on les a pas... Heureusement qu'on n'a pas sélectionné les garçons. Hein. Moi, je vous l'avais dit, parce que c'était sûr qu'elle allait gagner, en fait. Enfin, qu'ils allaient gagner, quoi. Les filles sont vraiment belles, toutes les deux. Donc, ouais. Ça. C'est pas très ratus. Je changerais peut-être juste ça, tu vois. Mais elles sont toutes les deux très jolies. Merci Minerval pour le cinquième mois. Merci beaucoup. Ah oui, c'est vrai, il faut que je change sa coupe en quotidien pour que ça change partout. Mais non, mais elles ont win le challenge, les cousines, c'est sûr. Je me demande si on va pas lui faire les mêmes cheveux décolorés que sa mère. Je sais pas. Bon, on va lui laisser ses cheveux naturels. Et même le petit gars... Ah non, mais le petit gars a gagné sauf la peau, en fait. Donc, il a perdu, du coup. Hein. Mais le petit gars, il est trop mignon. Par contre, Candy, imagine ta mère, c'est elle. Trop belle. Trop stylée. Je l'aime trop, Candy. Mais son legging, là, il est trop beau, en plus. Dans université. Je la kiffe, Candy. Cette tenue, là, tant chaud, elle est trop belle aussi. Elle a un style trop stylé, Candy, je trouve. À poil! Merci, Mickey, pour le subgift à Flames. Merci beaucoup. J'aime bien cette veste, là. Je sais même pas d'où elle vient. Merci, Mickey. Ce haut, là, il est trop mignon. Alors là, tenue temps froid, elle est pas mal. Hein. Cette veste est vraiment cool, juste je la retrouve pas, mais elle est cool. Elle doit pas faire partie de temps froid. Ouais, c'est ça, elle fait partie du jeu de base. Ok. Tu lui as enlevé les mèches roses ou elle grandit comme ça? Candy? Candy, elle a été refaite par NS, la streameuse NS. Et elle a aussi refait Yuki. NS a fait... Non mais là, j'adore cette tenue. NS a refait Candy et Yuki, en fait. Voilà. Donc, du coup, j'ai téléchargé les sœurs. Et j'aimerais bien faire un let's play avec elles, parce que je les trouve vraiment cool. Alors, on va pas trop perdre de temps. Donc, je pense qu'on va faire une tenue plutôt simple pour Céline. Vous voyez bien un t-shirt.
Ah mais ce haut est immonde. Enfin vraiment les finitions, enfin il y a rien qui va. Salut Skitty. Merci. Je sais pas comment elle fait Annès pour avoir autant d'inspi sur les tenues. Moi à chaque fois vraiment j'ai du mal à me projeter. Le haut fait sur Paint. Ouais, c'est ça. En plus, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai souvent l'impression que EA, ils font les tenues sur des sims extrêmement fins et skinny. Et du coup, quand tu transposes les tenues à des sims avec du poids en plus par rapport aux sims skinny, eh ben j'ai l'impression qu'en fait les matières sont étirées quoi. Et du coup que c'est pas beau. Genre en gros on dirait qu'ils font leur modèle. Oh mais ce t-shirt il aurait été bien pour... Ah bah tu vois maintenant que je prends mon temps. Pour Belluna. Mais ouais j'ai vraiment cette impression. Je trouve aussi le style vestimentaire dans les Sims resté bloqué dans les années 2010 quand le jeu est sorti. Ouais alors ça c'est typical années 2010. T'as raison Somatahari. Merci Ojosio c'est gentil. Mais après il y a quand même des jolis trucs qui sortent et qui ressemblent à de la mode de maintenant. Somatahari. Je pense notamment tu vois aux petits crop top comme ça. Il y en a d'autres, genre celui-là, tu vois le pack université, les vêtements sont quand même très jolis. Enfin, tu vois les nouveaux packs, les vêtements sont quand même assez à la mode, mais c'est vrai que il y a des trucs comme ça qui datent vraiment bon là en uni ça va mais il y a quand même des trucs qui datent des années 2010 de ouf. Et ouais, le pack université par exemple fait le taf. Vous voyez, enfin ça, là, c'est fini, quoi. Mais c'est ça, le problème. BBTM avait raison tout à l'heure. Je vais aller faire une pause pipi, j'en peux plus. Mais BBTM avait raison tout à l'heure quand il disait qu'en fait, les Sims, c'était comme Mario Kart. Ça va faire 10 ans qu'on n'a pas eu de nouveaux Sims. Et du coup, bah forcément, il n'y a pas que le gameplay qui est daté, quoi. Je reviens tout de suite, je fais une pause.